exercice, on prend deux tubes, le premier contenant de la solution de sulfate de fer 2 et le second contenant de la solution de chlorure de fer 3. Nous ajoutons une solution d'hydroxyde de sodium dans les deux tubes et nous remarquons qu'il se forme un précipité de couleur rouille dans le premier tube et un précipité vert dans le second tube. Question. Qu'est-ce que les répéteurs indiquent? Réponse. Le précipité de couleur rouille indique la présence d'ions fer 3, tandis que le précipité vert indique la présence d'ions fer 2. Question 2. Donnez le nom et la formule des répéteurs. Réponse. Le nom du précipité de couleur rouille, hydroxyde de fer 3. Sa formule FeOH3. Le nom du précipité vert, hydroxyde de fer 2. Sa formule FeOH2. Question 3. Écrire l'équation des répéteurs. Question 4. Qu'est-ce qu'un précipité vert indique? Réponse. Le précipité vert indique la présence d'ions de fer 2. Sa formule Fe2+. Même question. Qu'est-ce qu'un précipité de couleur rouille indique? Réponse. Le précipité de couleur rouille indique la présence des ions de fer 3, sa formule Fe3+.